Bon, alors aujourd'hui j'ai reçu un colis de Gearbest. Donc, je pense savoir ce que c'est, on va le découvrir ensemble. Alors normalement c'est un casque audio. Donc, vous voyez, c'est très très bien emballé. Alors qu'est-ce que c'est? C'est surprise parce que je ne sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. Et c'est un Evo. Un HD681 de chez Superlux, qui a été fabriqué en Chine. Voilà, vous le découvrez en même temps que moi. Donc super, j'ai toujours rêvé d'un casque IFI. Donc emballage impeccable, rien à dire. Bon, on va essayer de faire ça bien. Voilà, c'est ça ici, on le voit. Donc super emballage. Donc, vous le découvrez en même temps que moi. Donc il est noir. Oh, c'est un casque qui est quand même assez imposant. Très très bien emballé, qui a très bien résisté au voyage. Donc moi et ma petite tête, ça va être sympa. Super bien emballé. Ah, vous voyez, c'est vraiment sans foutage. Donc on a un casque hyper bien emballé. La notice est ici avec visiblement autre chose. Donc, ça c'est du carton. Peut-être mieux fait de préparer. Voilà, donc on a une housse de casque super luxe. Nous avons, on peut changer la taille, on peut donc changer la taille des écouteurs, et on a un câble de 3 mètres vraiment. Et un autre câble, un prolongateur courant, et c'est pas fini, on a un adaptateur, donc ce sera super parce que je vais pouvoir le tester sur plein de choses. Donc on verra ça sur les photos avec une notice. Voilà, et donc c'est dit. On va déballer la bestiole. Donc c'est un super casque qui est très très volumineux et qui promet une isolation maximum. Et bien, on a mis le cutter à l'instant cassé. Donc voilà, alors on a un petit jack, ça c'est assez original, je ne connaissais pas ce genre de prise. Et donc vous utilisez une rallonge ou autre qui vient se brancher ici. Donc on a deux câbles, super. Tout en doré, donc tout est doré. Formidable. Voilà, donc il n'y a plus qu'à essayer. Alors est-ce qu'il y a des réglages? Eh bien, je ne sais pas, on verra ça à l'usage et vous verrez ça dans le texte. Donc maintenant, je vais faire plein de tests écoute, voir ce que ça donne. Donc j'ai prévu toute une batterie de tests, entre écouter un CD, jouer de la batterie avec, etc. etc. Donc à tout de suite sur le blog, vous aurez tous les détails, tout ce que je pense de ce casque. Donc, c'est un casque qui est censé être IFI. Donc à tout de suite sur le blog Geek MPS. Voilà, donc la suite du déballage. En fait, j'ai déjà déballé, j'ai déjà testé, mais j'avais oublié de vous montrer en détail comment fonctionnait ce casque. Donc ce casque, comme vous voyez, il est d'assez grande taille. Il est donc fourni avec un cordon de 3 mètres et un cordon de 1 mètre que l'on peut tout à fait ajusté, donc ça fait 4 mètres. Donc l'originalité, c'est ce flexible avec ce jack comme ça. D'habitude on a des prises femelles, donc ça marche très bien, ça s'arrache pas facilement, mais si vous avez vraiment peur que ça s'arrache facilement parce que je ne sais pas, vous êtes très agité, vous pouvez utiliser ce petit accessoire qui permet de bloquer le casque. Donc après,
ce qui est intéressant, c'est quand même de le tester. Donc j'ai encore ma super tablette, j'ai pas regardé ce que j'avais en musique. Donc ça va être un peu la surprise. Est-ce que j'ai un Spotify allumé? Eh bien, je n'ai pas de Spotify, mais j'ai un petit cours de batterie. Il y en a qui se mettent à la batterie, donc on va pouvoir le tester assez rapidement. Et on va voir ce qui donne. Donc qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qui est en musique? Qu'est-ce que j'ai en musique? Alors, on va essayer de trouver Eric Clapton. Clapton, c'est pas mal. Voilà, on va prendre le premier morceau que je vois. On va le prendre à acheter. Ah, c'est que ça commence bien. Ça, c'est la pub. Par chance, on peut la passer. Mais en foyer, c'est le premier. Donc, je sais pas si vous entendez. Là, c'est un live. Alors là, là vous ne mettez jamais le casque sur les oreilles avec un tel son. Donc voilà, donc là j'ai mis les petites mousses, comme disait un copain, ça peut servir d'eau parlant, donc je sais pas si on n'a pas besoin. Donc il y a deux autres housses de rechange, elles sont tout à fait confortables, ça se plie bien, c'est mon tourné, ça se met relativement facilement. Alors l'autre détail, c'est que le casque est auto-ajustable, donc auto-ajustable, ça veut dire que si vous voyez, si vous avez une grosse, vraiment très grosse tête, ça s'ajuste tout seul. Donc il n'y a aucun réglage, vous pouvez y aller, c'est du solide. Et puis la qualité sonore est très très acceptable. Voilà, maintenant vous pouvez aller sur le site pour regarder le détail de tous les tests que j'ai réalisés avec ce casque. Et vous pouvez l'acheter chez gearbest.com.